Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Spider-Man PS4 pour continuer nos aventures. Oula. Un accident là-bas. Pas joli. Oh, les escaliers. Il pourrait y avoir des blessés. Je suis là. Restez calme. Ouais. Spider-Man, au secours! Je peux pas bouger! Allez! Au secours! Je suis à l'aide! Faut que je prenne vraiment cette habitude. Les victimes sont hors de danger. Ils ont des secours de faire leur travail. Parfait. Donc la dernière fois on avait reçu un petit appel d'une voix féminine dont Spidey s'était rappelé, qui sait. Je pense que c'est la chatte noire. Juste comme ça, c'est l'un des seuls personnages, on va dire, un peu controversé de Spider-Man. Rien de tel qu'un lance-roquette pour se réveiller. Attends, attends, ils sont où là? Ils sont là en haut, c'est con. Salut. Wow. Salut. Ouf, je me suis foiré dans ma manœuvre. Ce n'est rien. Aïe, 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 aïe. Ok, je fais de la merde. Je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde. Ok, il nous faut... J'ai rien. Salut. Tu sais, on va les esquiver, mais comme des gros comme un gros bâtard. Attends, on va l'éliminer direct parce qu'avec sa... Voilà, toi tu te calmes. Ok, la toile électrique c'est vraiment cool. Le problème en fait de cet endroit-ci, c'est que c'est très restreint. Oh merde. Si à l'âge de 12 ans, on m'avait dit que des types masqués chercheraient à m'exploser au lance-roquettes, ben, je crois que j'aurais sauté au plafond en fait. Attends, attends, attends. Voilà. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, mais attends, c'est quel combo de touche pour la propulsion? Avis à toutes les unités, besoin de renfort immédiat et des montiers sur des agents. Demande de renfort à Hudson. C'est-à-dire.
badge de l'ESU pour le semestre où j'ai bossé comme assistant. Moi, j'ai pas pu continuer, mais je me vois bien enseigner à nouveau un jour. Ah ouais. Bon, on va se faire quelques jetons du crime, hein, je pense. Combien de fois ai-je dit oh, ça c'est beau, que Spider-Man ça. Devrait laisser la police faire son travail. Ouf. Au moins 6 fois par jour. Et encore, quand je suis de repos. Figurez-vous que pour une fois, c'est bel et bien ce qui s'est passé lorsque l'agent Jefferson Davis a empêché un camion rempli. La toile. Hop, tu te calmes tout de suite. Oui, je voulais le faire ça. Voilà. Toi, je te rends toile. Et c'est fini. Toutes les petites frappes. Bon, on se récupère quelques. Leur seul point commun. On récupère quelques trucs. En les utilisant, on récupère quand même quelques trucs. Pour la potentielle prochaine mission. Attention, des individus attaquent un véhicule blindé. Agent demandé à Tenderloin, répondez. Allons voir cette fameuse mission. Et voir si c'est bel et bien. Coucou Spidey. Ah là, ça c'est la Black Cat, ouais, la chatte noire, Black Cat. Un jouet à gourer. Ravivez la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Oui, mais. Moi, je pensais qu'on pourrait. Elle veut que je trouve quelque chose. Je pensais que je pourrais zoomer en fait. Il doit y avoir un indice. Mmh. C'est ce que je cherche. Ah là. Là! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Ok. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Ah, ok, c'est une toute nouvelle interaction. Et ça fait quoi ces petits jetons? Dites, Yuri, le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée? Je crois, oui. Pourquoi? Elle a rempilé? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ses affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Salut, mais. T'appelles-tu? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quand envie de voir. Vous devez se retrouver pour dîner ce soir. Oh, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. 30 secondes. C'est une sale journée. J'ai quand même envie d'aller. Oh Peter, je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi? Et tu as un endroit où dormir cette nuit? Bah, à vrai dire. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais. T'aurais pas une chambre pour moi au refuge? Bien sûr! Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. Magnifique, le chat. Une nouvelle planque. Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Jaloux que je rende visite à un autre homme? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. C'est vraiment, Black Cat, c'est Catwoman de Batman. Sérieusement? C'est tip-top, ça.
Et je kiffe. Trouvons le chat. Ah, il est là-bas, le chat. J'ai vu ça scintiller. Pourquoi tu fais ça, Félicia? Tu sais que je vais finir par t'attraper. Ok, c'est juste pour gagner de l'XP. Ça va. Je pensais que c'était pour débloquer des jetons. Regardez ça, tous les jetons. Tous les trucs qu'il y a. Ma boutonnière du bal de fin d'année. Ou ce qu'il en reste après avoir affronté Fisk. Beau symbole de ma vie. Sentimental. Ouais. Des bons gros jalons ici. Ah. Ok, il y a vraiment de quoi faire. Il va falloir vraiment être polyvalent sur les outils. Bon, et bien allons-y. C'est moi où il vient de faire une magnifique figure. On va finir par se faire mal à se tirer dessus. Mettez vos blessés en lieu sûr. Je m'occupe du reste. Oh, c'est moi où ils lui ont tiré dessus comme pas permis. Toi, tu dégages. Aïe, c'était pas prévu ça. Dégage. Oh, c'est vrai qu'il y a ça. Merde. Ah, je me suis emmerdouillé dans mes touches. Oh, je fais tellement de la merde là. Hop, ça dégage. Concentration pleine, on va l'utiliser pour ce re-heal. Hein. Ah d'accord. En fait je me perds dans mes... Oh ça fonctionne aussi ça. Quoi? Ah cœur il est KO ce con. Hop, reprends ton arme, toi. Où est-ce qu'ils sont? Ah d'accord, je l'ai pas vu, lui. Hop, ça dégage. C'est tellement triste. Tout le monde va bien? Les démons se battent comme s'ils étaient possédés. Oh, c'est plus ou moins le cas. C'est tellement triste, je pensais pouvoir, même quand il est mis pour être mis KO, pouvoir le continuer à le tabasser, tu sais, lui mettre une bonne grosse correction. Pas du tout. C'est fidèle à Spidey, quoi. J'utilise pas toute ma force. Ah, je me demande un truc d'ailleurs.
On verra si ça le fait dans le manga. Dans le manga. Ah, n'importe quoi. Dans le jeu plus tard, mais dans le comics, il y a une scène méga badass. Avec Fisk. En prison. Parti. On va les niquer. Ouais, mais il y a un problème là avec vous tous là. C'est que vous êtes beaucoup trop près les uns des autres. Des roquettes ! Ils ont des roquettes ! Je pense. Ça c'était beau. Je peux pas le désarmer de... Non. Oh. Magnifique. Allez, vas-y, tue-le. Enfin, tue-le, désarme-le, fais ce que tu veux. Je peux prendre les boucliers, Je savais pas. Non, laissez-moi tranquille. Sauve-toi! Dernier. Magnifique ça. Voilà. Mieux que la gym suédoise. Oh, ils m'ont enchaîné des coups, j'ai pas compris certains coups là. Wow. Ah, une minute. Il y avait pas un sac pas loin. Oh, un peu la flemme. Un peu la flemme de tout ça. Oui, prendre le sac pour se changer. C'est vrai. Parce qu'on a des sacs de changement, de costume. Un peu partout en ville. Bon. C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Écoute, le crime ne s'arrête jamais. Aucun problème, mais toujours en laisse et surtout jamais. Ouais, c'est... Ce que tu veux, et l'univers t'exauce. Ouais, c'est un peu loin, quoi. Il faut que je fasse tout le tour. Sauf s'il y avait bien entendu un autre escalier, hein. Mais moi, je ne connais pas très bien le bâtiment. Donc, on va passer par les chemins que l'on connaît. Ils ont une chapelle. Il y a quand même moins de vétérans sans abri. Mais il y en a toujours trop. Heureusement, mon ami Flash Thompson fait de son mieux pour y remédier. Ton ami Flash Thompson. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, il y a bien un autre escalier. Juste à l'entrée, donc je me suis... Ouais, ça sert à rien. J'espère que le canapé est confortable. Salut, salut. On va juste un peu regarder les trucs. Tu me manques. Oncle Ben.
J'aimais beaucoup les chevaux. Comme tout le monde à un certain âge. J'aime pas les poneys. Mais on enlève quelques-uns quand même. C'est un peu gênant. J'aime pas les poneys. Qu'il est beau. J'étais une vraie tête à claque. Eh bien, allons-y, dormons. Nouvelle cinématique, c'est ça? C'est ça. Oh! Tante Mère a fait une folie. Elle nous a donné des thunes pour un appart. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Vous sentez l'invasion de démons qui va se passer dans... Eh bien, il est temps de me... Pas longtemps. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allô ? Hé, t'as vu mon article ? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi ? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow ! Eh, mais le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Je vais venir, hein. Peut-être en costume. Bah c'est cool, notre flic adoré va se faire médailler pour son courage. Il a quand même défoncé un bon gros camion, semi-camion, une camionnette on va dire ça comme ça, avec sa bonne bagnole de flic, tu sais. Et ensuite il a rampé à terre pour dire de nous sauver pendant qu'on était en train de sauver un train. C'était l'argent de ton mais je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Ok, on va d'abord voir ce qu'on peut améliorer. Oh, on va voir si on peut pas prendre. Bah non, ce que je veux c'est en. C'est avec les jetons de. De défi là. C'est ça que je veux. Pour générer plus de concentration. La tenue négative est vraiment cool. Wow, ça a l'air franchement cool hein, ça. Combien on a de poids de compétence? 0. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oh! 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 5! Un peu beaucoup. Ça on peut pas, ça non plus, ça non plus, ça. Peu. Ça se déverrouillera plus tard. Niveau 25. Ok, il n'y a rien d'autre qu'on peut dans les compétences, non. Non, bah ok.
Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut se faire? On pourrait se faire ça. Je vole. Ok. Demande de renfort pour une course poursuite. Besoin d'agents dans l'Upper Chinatown. Où ça? On va d'abord aller voir. Un nouveau message de Doc? Peter, sans vouloir nous porter la poisse. Non seulement la piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard. Même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Aïe. C'est qu'ils sont cons en plus ces bâtards. Oh, je me suis foiré. Félicitations pour la cérémonie! J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Tu m'étonnes. Il paraît que les démons s'agitent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie. Oui. Hey, ça, c'est pas sympa. Bienvenue au Drag. Toi, tu te calmes tout de suite. Ouais, il est blessé, tu. Tu me casses les dents, ouais, surtout. Toi, tu te calmes tout de suite. Non! De petite pute. Toi, tu te calmes. Et tu vas rejoindre ton pote. Ouais, ouais. Tu te calmes tout de suite. On a fait un peu de la merde. Juste un peu. Ouf, c'était tout juste. Ouais Jeff, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour arriver aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Non, non, Oh, en fait, laissez tomber. Par contre, t'as tout le monde qui a ton téléphone, hein, c'est... Eh bien, allons-y. Faisons cette petite mission de... Cette station est simple, mais... De station. Elle mesure les toxines dans l'air avec une précision bien supérieure à ce que sait faire la ville. La pollution touche en premier les enfants et les personnes âgées. C'était important pour ma mère. Ok. Si j'en crois ces données, le taux de dioxyde de soufre est anormalement élevé. D'après mon intuition d'araignée, c'est sûrement dû à un problème de peau d'échappement. Avec des échantillons, je devrais pouvoir identifier le modèle en question. Ok, faut juste le temps que je me remette en toile. Ouais, je risque ma santé, moi. Pas mal. Encore quelques échantillons.
On va voir aussi on a d'autres. Moi, je sentais bien mauvais. Ah ouais. Allez, encore quelques-uns. Ah, c'est de la bonne là. Hein. Je vais me foirer combien de fois comme ça? Là, c'est bon. C'est bon. Encore un. Alors, on est pas mal, hein. Meurs pas, Spidey. Courage. Le dernier est à portée de main. Ça y est. Oh, t'exagères un petit peu quand même. Hein. Nous avons apparemment trois coupables. Je vais devoir prendre des photos maintenant. Bon, on va peut-être aller à celle qui est la plus proche. Ah, la photographie. Comme au bon vieux temps du Bugle. Tout était si simple à l'époque. Ouais, pas le plus proche, tout est relatif quoi. Et d'une. Ouh, c'est pas dégueu ça. Parfait. Et jamais 203. Et voilà. L'ordre de rappel devrait bientôt suivre. Merci l'araignée sympa et éco-responsable du quartier. Ah ouais. Bon, très bien. Vu que ça c'est fait. À chaque fois qu'on déverrouille un truc comme ça, ça devient une. Ok. Où se trouve. Ah, la suite se trouve ici. Ok, bon, on va aller voir. Ouf. Je ne pensais pas être aussi bas. Faut juste arrêter de me mettre des... Des bâtiments avec des échelles quoi. Enfin, des escaliers de secours. Tous les journaux en parlent. Encore un affrontement entre Spider-Man et les tireurs au masque de démons qui menacent des New-Yorkais innocents. Je crois que notre prochain témoin vit dans le voisinage. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, alors, le truc, c'est que ça s'est passé dans un chantier fermé depuis plusieurs années. Du coup, il n'y avait pas d'innocents en danger. Oh, c'est ça votre avis éclairé sur la question? Alors, déjà plus éclairé que toi. Pris mes sources, de journaliste, qui a derrière lui une longue carrière et de Twitter. Ce chantier était une façade pour Wilson Fisk. Il s'en servait pour trafiquer des armes, des grenades, de l'artillerie. Lourde. Oui, 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 c'est bien. Alors, Fisk, que nous caches-tu cette fois-ci? Et là, il y a des démons, c'est ça? Jeff, j'y suis. Qu'est-ce que vous voyez? Trouvez les autres, le chef veut pas de survivants.
On dirait que les démons s'installent sur le territoire de Fisk. Vous pouvez gérer ? Ouais, je m'en occupe. T'es sérieux que tu me vois pas là? Y a quand même un stut. Ou là ça passe crème. Y'a qui a une visu sur lui? Oups, ça là. Coucou, je panier. Oh, c'était beau ça. Vous avez ce que vous vouliez. C'est pas la peine de nous tuer. Le territoire de Fisk est à nous désormais. Pas encore. Oh, magnifique. Hop, toi tu dégages. Toi tu vas rester électrifié pendant un petit moment, tu sais. Ah, ça veut... Voilà. Ça c'est beau ça. Mais non. Qu'il est con. Mais qu'il est con, mais qu'il est con. C'est tellement de la merde. Quand il saute, il s'agrippe directement. Alors que moi, je fais une putain de combo aérienne. Yo, Wally. Toi. Super, la combi. Ça t'amincit. Ne te mêle pas de mes affaires. Attends, les démons. Qui est leur chef? Protège mes hommes et je te dirai peut-être. Ah ouais? Oh, attends. Est-ce que ce serait pas entrer en scène de d'autres méchants? Alors celle-là, on n'en est vraiment pas. Vas-y, fonce, je putain. Bon bah toi tu dégages, hein, écoute. Hop, toi tu dégages aussi. Oh, mais c'est dégueulasse, j'esquive quoi. Attends là. Je vais t'envoyer le petit drone là. Un peu. Non. Oh, mais c'est incroyable les dégâts qu'ils te font, c'est con. Hop, toi tu lâches ça et je te la renvoie dans la tête.
Attendez la police. Ça dégage. Lui, je pense que je l'ai envoyé loin. Attends, attends, là. Hop, retour à l'envoyeur. C'était pas la bonne toile. Toi, tu déclares tout de suite avec ta faux, ok. Aïe, 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 aïe. Wow, wow, wow. Là, j'ai toute leur attente. Je devrais faire le tour de l'extérieur pour trouver les hommes de Fisk. C'est pas le bon. Oh. T'es sérieux qu'il n'y a qu'une entrée pour cet étage-là? Oh, c'est bien, ils se tapent les uns les autres, les cons. Ouf. Voilà. Ça dégage. C'est tellement beau. Mais bien sûr. Pas de problème. Je suis là pour t'aider. Je dois vite trouver les survivants. Ils sont là-bas en haut. C'était pas vraiment par là que je voulais aller. Allez. On va monter. Ah, c'est quoi ça? Quoi, il y en a toujours un qui... Tu te calmes, toi. Ouh, il y a un gros. Allez. Oh, c'est magnifique ça. Oh. Aïe. Reste là. Chope-le. Voilà. Hop, tu dégages. KO lui.
Où est-ce qu'il est? Ok. Il ne manque plus que... le truc là-bas. Et bien sûr, il faut qu'on monte à patte. Aïe. Hop, toi tu vas rester là collé. Aïe. Tu dégages. Ok. Tout va bien? Ouais. Ouais. Merci. Fisk, tes hommes vont bien. À ton tour. Qui dirige les démons? Peut-être qu'il est là. Ou peut-être pas. Va voir sur le toit. Sur le toit? Ces discussions obscures m'avaient manqué. Bon, je sais très bien c'est qui le boss. Hein. Rebonjour. Magnifique. Ouah le con. Ouah le gros con. Bah dit, il va falloir s'activer. Sérieux? Non. C'est bon. Un peu short tout ça. C'est bon. Dites-moi que je rêve. Non. On m'a signalé un hélicoptère avec une boule de démolition. Ouais, la situation avec les démons c'est compliqué. Bougez pas, Yori. M'en occupe. Je m'en occupe, qui dit. Mais arrête de tourner en rond, petit con. Laisse-moi au moins le temps de te rattraper. Allez! Elle est marrante, elle, en plus. Elle pense que c'est facile. Oh, c'est pas vrai! C'est quand j'arrive enfin à faire une... Allez, c'est le moment! Ok. Run. J'espère que je vais pas le regretter. Viens ici, toi. Hey, c'est bien le vol pour Newark? Pour Newark, qu'il a dit. Je vais devoir vous demander d'arrêter cet hélicoptère, monsieur. Vas-y. Un moteur de moi. Maintenant le deuxième.
Allez, remonte. Allez, 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 allez. Simple plan. Remplace le Un plan. Il m'en faut un et vite. Ok. Ce sera ça le plan. Allez, on fait la balançoire là. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ça c'est du copier-coller ça. Et tu auras pas. Non, on n'aurait pas vu le big boss. À moins que. Il est super classe ce masque. Tu l'as acheté où? Cool. Merci. Ils ont un site internet? Oh là là. Hey Yori, j'ai attrapé les méchants. Mais. Mais quoi? Il va falloir que vous apportiez une échelle. En un. Allez Miles. Hey, le fanboy. Miles, oh nice, c'est magnifique ça. Oh merde, tu es en retard. Tu viens pas? Non, je dois aller à la cérémonie de mon père à l'hôtel de ville. Ah ouais, c'est vrai, bah félicite ton père. Ah d'accord, ok, c'est donc le... Oh, j'avais pas cramé directement qu'il s'appelait Morales, le flic. Donc lui c'est Miles Morales. Et pour les gens qui connaissent pas, c'est un... MJ, la cérémonie, c'est le Spider-Man noir. Il s'installe encore. Où t'es? J'ai eu un empêchement. J'arrive bientôt. Oh là, petit tips comme ça. Y'a pas moyen, non? Allons-y à cette remise de médaille. Oh, il va encore me casser les couilles, lui. Il tractait une grue au-dessus d'une rue surpeuplée où il aurait pu s'écraser à tout moment dans un déluge de rotors acérés et de flammes apocalyptiques. Vous pensez toujours que tête de toile protège les citoyens comme vous, auditeur suivant? À comparer à toi, je fais quelque chose. Ce qu'il fallait, ce qu'il faudrait, c'est appeler les professionnels. Mon fils est fier de servir. C'est-à-dire pas toi. Il a des milliers d'heures de vol au compteur et il s'entraîne à protéger. Ah bah moi aussi j'ai des milliers d'heures de vol à mon compteur, hein. Avec une toile. Non, pas vraiment. Parce que c'est ce qu'il voulait, comme s'il allait partager la gloire avec quelqu'un d'autre. Bon, ça va, j'en ai marre. Ah, c'est sûr pas avec toi. Allez, on envoie la pub. Il me faut deux aspirines et un antiacide. Tout de suite. Ah ouais, parce que acide, tu l'es, hein. Alors. Oh, ça fait vraiment une petite balade en ville intéressante, hein. Oula. En tout cas, c'est cool, on voit plein de personnages. Et c'est dommage, je pensais qu'on l'enverrait le grand méchant des démons. En plus, ça coïncidait très bien avec un autre personnage. Lol. Bon. Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. Et la dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un « c'est moi ». Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, hey, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man, je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. En tout cas, dans bien les...
dans les comics, c'est Miles Morales. Je ne sais pas ce qui bifurque avec... Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, je pense pas. Terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. Hmm. On pourrait aller prendre un café après ça et résoudre cette énigme. Ouais ? Alors toi... Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. On pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Quel con. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Bien. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô ? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil ? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider. Le boss des démons. Vous ne pouvez rien faire pour les sauver. C'est qui ? Sombre crétin. Des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez ? Vous regardez souffrir. Oui, mais il va arriver. C'est ça le stud que tu comprends pas, là. Gros choc, là. On l'a tous vu. La première personne avec ses mains qui font de la négativité. Miles ! Vous voyez ce que je veux dire ? Miles ! Tu vas bien ? Le bordel. Les deux, l'un à côté de l'autre. Ah, ce qu'ils font. Miles, Miles, avec moi. Je suis là. Ne me laisse pas. Oh Dieu merci. Tu m'entends, mon chéri? Tu m'entends? Attends. Tu m'entends? Reste ici. Je vais aller chercher ton père. Peter, réponds. Non. Allez, parle-moi, je t'en prie. Attends. Maman. On est en plein bad là, c'est ça? Tu
Attends, on est en plein bad là. C'est un truc de fou. Il faut que j'arrive de l'autre côté. Ouais. Dites-moi que c'est une... Oh... Attendez... Bordel du jeu! C'est fini, je m'en sortirai. Non, écoute, je dois retrouver papa, d'accord? Non! Miles, papa. Non! Miles, non! Papa est ici. Je vais le trouver. Miles! Ça arrive quand même plus vite avec un costume, non? Papa est en vie, je le sais. Juste là. Mais qu'est-ce que... Il va falloir se faire tout petit. Tu crois aller où comme ça? Je peux longer le bord pour les contourner. Par là. Quel bord? Ah d'accord. J'étais en train de me dire quel bord. Non, non, non. En tout cas, là, ils l'ont rendu tellement badass, ce méchant. Mais c'est incroyable. Pas pour l'instant. Ah, dès que tu me dis go, moi j'y vais, hein. D'ici. Ok. Papa était juste là. Je dois l'aider. Fonce. Personne. Shooting it up. Don't we agenda? Jing Zhen Dadian. Yo Kyla. Tu veux que je... Ah d'accord, là il y a de quoi.
Un cassu la gueule. Non, pas du tout. Nous devons partir, tout de suite. Et voilà, The Big Boss. Papa. 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 Papa, non! Réveille-toi, papa! Réveille-toi, allez! Réveille-toi! Oh putain, Peter est sauf. Enfin, est sauf et en vie. Je m'aurais pas senti bien si c'était déjà l'instant de sa mort. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Où la douleur s'estompe avec le temps. Où ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'essayais seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. En tout cas, l'introduction à Mister Négative et à Miles sont au top. Bon, c'est un peu what the fuck le truc, mais c'est cool. on va dire c'est comme ça. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Bon, on est à l'autre bout de la ville. Très bien. On va regarder dans les tenues, il y en a une nouvelle. Ok. D'accord. Et dans les compétences. Thank you.
Ça, c'est cool. Et ça aussi. Ok. Je suis désolé, Jeff. Eh bien, c'est sur cette. Je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, bon, on va d'abord attendre. Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a merdé et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police ? Ils ont des pistes sur Lee ? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il est pas office. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part la d'un Dark qui Force court sur les murs, c'est le comble. Et la Light Force. Ok, bah c'est sur cette belle parole et sur la découverte que Martin Lee est Mister Négative. Officiellement, ils l'ont pas encore dit, mais bon, c'est Mister Négative qui a le pouvoir de la Light Force et de la Dark Force. Donc, il peut corrompre les gens. Et plus une personne est bonne, plus elle sera méchante. Et il peut guérir toutes les maladies et autres grâce à sa Light Force. C'est un gros résumé des pouvoirs de Mister Négative. Et introduction à Miles, qui est en soi plus ou moins, en gros guillemets, le Spider-Man noir. Donc c'est Spider-Man, mais la version noire, on va dire. Donc celui-là avec le costume noir et rouge. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, like, commentaire en bas de la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, ciao.